Mais qu'est-ce que vous foutez là? Saviez-vous que dans chaque toilette publique se cache une œuvre d'art? Cherchons-la ensemble. Salut les artistes! Marcel Duchamp, vous connaissez, il a fait énormément de choses pendant sa carrière, il a touché un peu à tout. Et un jour, il a une bonne idée, c'est de prendre un objet du quotidien et d'en faire une œuvre d'art. On appellera ça le ready-made. Ready-made qui veut dire en anglais le prêt à l'emploi. Yes, un bilingual. Vous voulez faire ça à la maison? J'ai un tuto pour vous. Pour faire votre propre ready-made, prenez un objet du quotidien. Des ciseaux feront l'affaire. Prenez également un cadre, assemblez les deux, et voilà, vous avez votre propre ready-made. Mais il va pas nous prendre un objet anodin, notre artiste. Il va prendre un urinoir. Un urinoir? Il va juste signer de quelques lettres et de chiffres, Hermut 1917, et voilà, le tour est joué. À nous deux. Nickel. Et pif paf pouf, la fameuse fontaine de Marcel Duchamp est née. Il envoie son œuvre à une exposition et là ça a fait scandale, personne n'a compris pourquoi on recevait un urinoir. Dis-moi Michel, c'est encore toi qui as commandé des chiottes? Non, c'est sûrement Mika de la compta, c'est son genre de blague. Ou alors c'est peut-être Janine parce qu'elle avait pas l'air en forme. T'as entendu que son fils y sort? La presse s'empare du scandale, ça a fait un big buzz et on sait enfin que c'est Marcel Duchamp qui a fait l'œuvre. Mais alors pourquoi il a signé Hermut? C'était quand même plus simple de mettre son vrai nom. Sur ce mystère, il y a trois théories. Ah. La première, c'est que le fabricant de l'urinoir s'appelle J.L. Mott. Hermut, J.L. Mott, pourquoi pas? La deuxième, c'est que Hermut en anglais ressemble à Armut, qui signifie armuer en anglais, pourquoi pas? Et la troisième, c'est que les initiales de Hermut sont les mêmes que Ready Made, R.M., pourquoi pas? Ils sont quand même gonflés, ces artistes.